Salut à tous! Bon confinement! On est lundi aujourd'hui, je vais juste vous montrer des notions de base pour coudre. Il y a beaucoup de gens qui savent pas coudre. Là, vous allez voir, hein, le confinement, moi j'ai des cheveux blancs, comme tout le monde, je suis au naturel. Ça me dérange pas, c'est souvent comme ça mes vidéos. Fait que, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Véronique Lonard, propriétaire de la boîte à télé créative. Aujourd'hui, je voulais montrer des notions de base de la couture parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça encore, même coudre un bouton, par exemple. Ça pourrait être bien pratique. La machine que j'ai, vous allez voir, c'est une machine bien simple qui a coûté peut-être 100$. C'est pas non plus une machine industrielle, fait que c'est sûr qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Mais pour des petites coutures de base, ça peut être bien pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer un petit peu comment ça marche de base. En plus, le modèle que j'ai, c'est pas le plus vieux, tu sais, c'est le plus récent. Il y a une bobine normalement qui peut être sur le côté, là moi est sur le top, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de vous montrer ce que je peux vous montrer avec ce que j'ai là. Fait que, on va y aller. Je vous montrerai pas à coudre en tant que tel un morceau. Donc moi j'ai une Brothers ici, c'est vraiment une machine très simple. Que tu peux acheter chez Walmart ou quoi que ce soit. Ça peut coudre du tissu moyennement épais. C'est sûr que tout ce qui est jeans, ce qui est cuir, ça va aller plus avec des machines industrielles. Ça peut se faire, mais il faut que tu prennes ton temps, tout simplement. Donc, premièrement, les vieilles machines sont plus complexes parce que le fil qu'on va installer, il y a une bobine tout le temps qu'on va installer, il va avoir un fil sur le dessus. Il fallait que mon chien joue avec son truc en même temps. Donc, il y a un fil sur le dessus ici, puis il y a une bobine en dessous. Donc, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est comme si en cousant, quand l'aiguille part, ça vient rechercher l'autre fil en dessous. Et il y a une couture sur le dessus et en dessous. Donc, c'est pour ça que ça fait que ça tient très bien. Avant, c'était des moulins, tu sais. Fait que c'est vraiment plus au. Ouais. Hey, j'ai de la misère avec mes mots. C'est plus facile maintenant parce que c'est électrique, évidemment. Donc, je vais vous montrer juste comme les pitons de base. Si vous avez une machine à coudre ou si vos parents ont une machine à coudre ou peu importe, que, vous seriez mal pris, là, justement, avec le confinement, on n'a pas de sous. Il y a un petit trou qui est dans une mitaine ou dans un pantalon, il y a moyen de le réparer, OK? Dites-vous toujours, quand vous faites une couture, il faut que vous viriez votre chandail ou votre bas ou n'importe quoi à l'envers pour le coude pour ensuite le retourner à l'endroit pour ne pas voir la couture en tant que telle. Donc, c'est la même affaire quand on coud. On va, exemple, si on a un tissu qui a un motif, là, c'est des restants de tissu que j'ai ici, il y a toujours un côté qui est l'endroit puis l'envers. Si on coud, puis on coud selon un patron, puis on... Je vais essayer de vous montrer un peu. Mais on va le plier à l'envers, on va le coudre comme ça, pour que quand on va l'envirer de l'autre côté, on va voir le motif tout simplement. Je ferai un petit exemple tantôt. Donc, je vais juste vous expliquer les fonctions de base. Je crois que je vais essayer d'approcher la... Parce que là, vous voyez à l'envers la machine. Donc, je vais la mettre comme si vous le voyez comme moi, je le vois. Deux petites secondes. Il ne marchera pas, je pense. Je vous ai complètement échappé. Bon, en plus, on a le flair. C'est peut-être pas une bonne idée, là, mais... je vais tenir avec mes mains. Ça va être moins compliqué comme ça. Donc, vous avez toujours un fil qui va être en haut ici, qui va passer. Vous avez quand même des instructions avec la machine. Là, ça dit en étape 1, 2, ça passe ici. 3, ça va passer en dessous. Il y a un petit... Et ça va pas bien comme ça. Après, le fil, à cette heure, les vieux modèles, il fallait vraiment passer le fil à la main dans la fente ici. Mais maintenant, il y a comme... Comment je peux dire? C'est pas un trou fermé. Fait qu'on peut juste passer mettre le fil ici, puis il va embarquer dans le trou. Ensuite, la dernière étape, c'est de le passer ici en dessous. Et l'autre étape, de passer le fil dans le trou de l'aiguille et le ressortir en dessous. Il faut aussi, il y a un autre. Vous voyez, la bobine est ici, mais des fois, il y a des machines que la bobine est ici. Ça s'enlève et la bobine est en dessous d'un truc de métal. Ça, c'est pas le même modèle. Si jamais vous avez un modèle comme ça, vous avez des bobines en métal, ne mettez jamais les bobines en métal parce que ça fuck la machine par expérience. Donc, les bobines en plastique,
Ça, c'est des bobines vides. Fait que je vais vous montrer comment placer le fil, comment vous préparer une bobine, puis comment coudre, OK? Puis comment les installer. Ça va être pas mal ça de base. Puis vous montrer la différence entre... ici, vous avez le point, c'est les distances, OK? Puis il y a une tension aussi. Donc, il y a des boutonnières, tout ça. Moi, je m'en sers pas vraiment. Là, je pourrais pas tout vous les expliquer. Ça, ici, c'est en denti. Denti, ça, c'est quand il y a un élastique ou des choses comme ça. Donc, ça permet justement pour... ou sinon, vous pouvez faire des points de fantaisie qu'ils appellent, là. Donc ici, cette machine-là, comment ça fonctionne, c'est vraiment la distance, OK? Le pointillé, ça va être du 5, du 4, du 3, du 2, du 1. Puis ici, c'est le point pointillé. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est la distance. Normalement, il y a des machines qu'on peut l'ajuster avec une petite bobine ici pour la distance. Puis ici, on a la tension selon le tissu qu'on utilise, donc à zéro souvent. Mais quand c'est du tissu fin, on va rajouter de la tension pour que ça aille mieux quand on coud. Ça ne plie pas. Là, je le mets à zéro. Ici, on a le bouton de reculon. Des fois, c'est fait autrement, mais pour ce cas-ci, souvent, c'est parce que si vous ne refaites pas un petit reculon sur la fin de votre tricot, votre couture, pardon, ça peut se défaire plus facilement. Donc, fait que c'est ça. Je ne vous montrerai pas tout, mais là, c'est un fil. Il y a un piton on-off. On va l'allumer. Puis je vais vous remettre sur le trépied pour vous montrer comment faire. Il y a ici, là, évidemment, vous allez avoir peut-être besoin des épingles pour coudre, pour maintenir le tissu ensemble, pour pas que ça bouge. Comme ici, c'est des exemples d'essuie-tout que je suis en train de faire. Je pourrais vous montrer. Fait que là, je pense que je vais vous remettre sur le trépied, je m'excuse, mais avec mes deux mains, c'est plus facile. Je veux pas de caméraman, tu sais. Vous mettre ici pour bien vous montrer que je vais passer ma machine. Bon, voilà. Peut-être vous approcher pour cette étape-ci. Ici, cette machine-là pour la bobine qu'on met en dessous aussi. Ça enlève, puis vous allez voir, on le change assez régulièrement. L'autre modèle qui est en dessous ici, ça va être un... je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas, mais il faut tourner la bidule de de métal. Et ça va être une bobine dedans comme en métal qu'on va rentrer. Puis il faut passer le fil dans une fente entre deux dents, si on veut, en métal. Après, on l'insère dans le trou avec la bobine, le truc de métal. Puis il va y avoir un petit cloc qui se fait. Donc là, on sait que notre fil est correct. Du moment qu'on va maintenir le fil du haut, puis le fil du bas, puis qu'on va descendre l'aiguille et tout ça, ça va venir se joindre ensemble pour commencer la couture. Là, pour le moment, on ne peut pas le faire parce que l'autre n'est pas mis. Je veux juste vous montrer, dans le fond, la base pour que vous soyez capable de coudre. C'est sûr que, tu sais, on n'y va pas à une vitesse fulgurante en commençant, là, tu sais. Mais l'important, ça serait d'être capable d'au moins de faire une ligne. D'être capable qu'elle soit droite. Ça, c'est déjà un bon départ. Fait que la table, elle, vous allez pouvoir accélérer et aller plus vite. Puis ça, évidemment, avec des patrons aussi. Là, j'ai pas d'exemple, mais quand vous avez des patrons, vous coupez la forme du patron. Vous savez quelle partie va être cousue ensemble. Aussi, ce qui est important, les patrons, il y a toujours un pouce de plus pour la couture, dans le fond. Parce que quand on va leur virer de bord, bien, cette partie-là, on ne la voit pas. Puis c'est pour ça que... on ne peut pas se faire un patron coupé qui sont vraiment les bonnes mesures exactes. Il faut se donner un jeu pour justement la coupe, pour la couture, etc., etc. Donc, même en fait, quand j'ai fait des petites bobettes pour mon chien, ben il a fallu que j'en ajoute plus pour être sûr que ça fit au final. Fait que, donc, ce fil-là, je vais vous montrer comment le mettre pour cette machine-là. Ça, c'est vraiment hyper simple. Là, l'autre, je vous l'ai expliqué, mais malheureusement, j'ai écouté, même si je le tasse, ça ici, c'est pas le même modèle. D'habitude, il y a de quoi à ma facture. Il y a de quoi ici en métal qu'on va tourner. On va mettre la bobine dedans. On va le passer dans une fente en métal. Là, on le sait qu'il est bien pris. On va la remettre ici. Cliquer, faire clouc. En descendant ça, le fil va remonter vers en haut. On va prendre notre ciseau. Puis on va passer les deux. Voilà. Normalement, il serait pas supposé être passé dans le trou. Là. Comme ça. Ça, c'est le premier modèle plus standard. Et les vieilles machines aussi sont comme ça. Moi, j'ai plus ce modèle-là, mais j'avais ça juste avant d'acheter celle-là. J'ai acheté des Singer. J'étais vendu de la marque Singer, mais les derniers modèles, parce que j'ai compris, parce que je l'ai changé très régulièrement parce qu'il était brisé. Autant la bobine sur le dessus qu'en dessous. Et les derniers modèles Singer n'étaient pas top. À moins qu'on paye 300 et plus et encore. Mais pour une machine de base, ça coûte à peu près 100$.
vous en avez pour votre argent pour faire des réparations, des bas de rideau, n'importe quoi. Quoi ça peut servir? Justement, des réparations quand il y a des trous, faire votre papier de toilette, hein, on récupère des vieux tissus, on fait une couture. On peut en faire des affaires, là, tant veux-tu, en v'là, un sac, n'importe quoi. Des vieux draps, on reprend ça. Vos serviettes hygiéniques, si jamais vous voulez vous embarquer, c'est un petit peu plus complexe, mais ça se fait. Fait que je vais vous montrer quand même, je vais vous montrer comment mettre la bobine ici. C'est assez simple. Je vais l'approcher si on est capable de le voir. Je vais vous montrer comment la rouler aussi. Je pense que vous allez bien voir. Je vais essayer de faire un focus. Ouais. Je pense que oui. Fait qu'on le met dans le trou. Il y a une flèche. Il faut que la corde soit vers le... passe par-dessus et non par-en-dessous. C'est comme le papier de toilette, hein? Tu sais, quand tu le veux vers toi et non par-en-dessous, là, faut qu'il soit vers toi. C'est un gros débat. Puis ici, ça te dit, il y a des flèches, tu sais, c'est vraiment pas compliqué. Tu le passes, tu tiens ta bobine, puis en tirant, ça va couper le fil. Il y a une petite coupe ici. Tu remets ton truc, d'habitude, pour protéger de plastique, ça, c'est pas pour rien. C'est parce que les poussières, puis tout, quand tu coules, pour pas qu'il tombe dans la machine. Il y a un entretien aussi à faire, éventuellement. Et le fil ici a déjà été passé. Je vais quand même vous le remontrer comment le faire. Puis là, on tiendrait notre fil, on ferait ça. Et vous voyez, l'autre fil suit. Si je tire, on le voit en dessous ici. Je viendrais chercher mon seau, même pas obligé là. Mais... puis le but, ça serait de l'étirer. Donc là, on serait prêt à commencer à coudre. On a nos fils du dessus et d'en dessous. Je vais vous montrer comment mettre le fil sur le dessus, la bobine principale. Le dessous, c'est pas très compliqué. Puis au final, je vais vous montrer comment enrouler votre fil pour les petites bobines ici. Moi, j'en ai fait vraiment beaucoup d'avance, là, mais parce que je sais que je m'embarquais dans un gros projet. Je suis comme en fin de journée, hein, la lumière n'est pas super, super. Moi, j'ai déjà des bobines de rouler, mais je vais vous montrer comment l'enrouler. Puis selon vos bobines de plastique, ça ne va pas tout le temps bien quand il y a de la tension, tout ça. Fait que je vais vous montrer comment monter le fil. Là, mettons qu'il y a un nœud, c'est de quoi que ça pète, je sais pas quoi, la bobine. Il y en a que c'est ici qu'on la met, puis il y en a qui ont une place ici. Celle-là, il n'y en a pas. Moi, j'aimerais mieux ça, mais c'est pas plus grave. Puis ça se descend, regarde. Wouhou! Ça va être pour mettre notre bobine pour enrouler le fil du dessous. On voit bien, ouais. Fait qu'on met ici, ça le dit, les étapes sont marquées sur le top. Je vais vous amener avec moi. Cette petite affaire là, c'est juste une affaire. À l'envers là, c'est pas génial. Bon, on met notre bobine, c'est fait. Ici vous voyez 3, 2, 4. Alors ça c'est pour enrouler le fil. Le 2, cette fois je ne vais pas checker, mais c'est pas grave, on va leur checker tantôt. Donc c'est pas compliqué, on prend notre fil, ça dit on le met dans le 1. On le voit, il y a un petit dessin ici. Il faut que ça passe. Dans le centre ici, là, ça dit c'est entrecroisé. Ça doit être là-dedans. Ah, ça, c'est pour rouler la bobine. OK. Oui. Parce que je n'ai pas regardé le manuel. Hein. On le passe ici. Dans la fente. Excusez, c'est fait. 2. Bien, on descend. Regardez, ça te dit 2. On descend. Là, ben, ceux qui le savent, qui ont une machine à coudre, ça fait tout le temps qu'on va faire. On n'a rien à faire, on fait juste passer la corde. 3, ça passe en dessous. 4, ben là, j'ai besoin de mon autre main, mais il faut que je remonte le truc de métal en dedans pour pouvoir passer ma corde dedans. Vous allez pouvoir le voir. Le truc de métal est là. Normalement, ben. Il a embarqué tout ça dedans. Il est déjà embarqué. 4. On descend. L'autre étape. Ah, c'est parce que je les pattes après mon truc. On va pas bien. Sur mon trépied. 4. Ensuite, il y a un petit pied ici en dessous. Là. Il faut le passer comme ça ici, en arrière. Il va tenir. Et il reste juste à passer. Vous voyez, il y a le trou de l'aiguille. Passer le fil à travers l'aiguille ici, dans le trou. Oups, ça vient me débarquer, mais c'est pas grave. C'est le pied. Ici, par en arrière. Je vais remettre mon pied. Évidemment, il faut mettre le pied, sinon vous allez vous rentrer l'aiguille dans le doigt. Puis
il y a une petite planche ici en arrière. Ça, vous allez le lever puis le fermer quand vous allez avoir votre tissu ici. Donc, on va le descendre pour mettre notre fil. Des fois, il y a des petits trucs, des petites machines pour un enfileur. Moi, j'ai jamais rien compris de ça. Donc, j'ai essayé. Puis... Fait que moi, j'y vais à la main. Je coupe mon fil préalablement pour pas qu'il y ait plein de motons. Puis, je vais le mettre direct dans le trou. Ouais. Je vais manquer de pile. Tout le temps, même histoire. Et j'ai passé mon fil. Dernière étape. On va relever le pied. On passe le fil dans le trou ici. Et si l'autre fil en dessous ne serait pas ressorti, ben là, on irait le rechercher en dessous. On sort les deux fils. Là, je suis prête à coudre. Dernière étape. Oh, ben, je vais y aller avec un petit morceau. Ça va vous donner une idée. Bon, mettons, je fais une petite pochette, OK? J'ai pris un embout rectangulaire comme ça, là. Prenez des petits restants de tissu juste pour vous pratiquer. Vous voyez que mon image est à l'envers, donc c'est cette partie-là que je vais vouloir voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais vous reculer. Je vais coudre tout le tour ici. Puis, ici, il va y avoir un trou, fait que je vais pouvoir le revirer. Vous allez voir, ça va faire une petite pochette. Donc, pour la couture, vite, maintenant que je manque de pile. Fait que je sais que je commence à droite. Normalement, je mettrais des punaises pour pas que ça bouge, c'est comme ça. Idéalement. Quand vous êtes habitué, ben là, pas tout le temps. Et on va, mettons exemple, j'avais un trou, je l'ai plié en deux. Puis je vais cacher mon trou, je vais faire une petite couture droite. Fait que là, ben, c'est sûr que passer le fer passer, ça peut aider aussi. Fait que j'ai mon pied, ma machine est partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour. Là, tout va bien, ça va tout seul. Mais l'idéal, c'est de garder vos mains dessus. Je vois qu'elle fait pas de belle couture. Quand on arrive à la fin, ici, on va reculer. On va peser sur mon reculon. 2 minutes, même pas. 1 seconde. Ça fait que c'est juste pour fermer ma couture. Et j'avais relevé mon pied, enlevé mon aiguille, tiré mon fil. Et il y a une coupe ici sur le côté qu'on voit pas. On peut couper le fil. Voilà. Fait que je vous montre ce que ça donne au final. C'est pas facile de vous filmer de même. Je vais tourner ma caméra. Bon. Fait que là, ma couture est faite. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer le reste. On coupe les excédents de fil. Normalement, on couperait la bordure pas trop proche, mais juste pour qu'il y en ait trop. Comme ça. Parce que c'est cousu. Hein? Ben, c'est sûr qu'il n'est pas cousu droite. Là. J'ai fait ça très rapidement, mais c'est juste pour montrer que ça se fait vraiment facilement. Là, ça, c'est pas droite non plus. Hein? Et on va le tourner, voir que ça donne. Fait que, on veut voir à l'endroit qu'est-ce que ça donne. On va chercher le fil. Si vous cousez trop proche, c'est pour ça le 1 pouce que je parlais au début, si vous cousez trop proche, ça peut, en tirant, découdre. Donc, on est mieux de se laisser un plus grand jeu. Au final, ça va donner une petite pochette. Là, là c'est ce que j'ai fait, là, mais on aurait pu faire autre chose. Par exemple, une belle petite pochette. Mais là, il y aurait une finition à faire, la bordure ici. Donc, on leur plierait, on ferait une couture. Putain, je peux mettre mes ciseaux. Bon, c'est juste pour dire, là, mais vous voyez que c'est assez résistant. Puis quand on tire dessus, ben, c'est, faut quand même bien le faire. Là. Idéalement, choisir le fil de la même couleur. Normalement, on ferait une couture sur le dessus pour refermer de. On ferait une couture ici sur le dessus.
Donc, ça referait une petite couture encore là, on aurait une petite addition. Puis il resterait la bordure en haut à faire. Mais ça, c'est juste pour pratiquer pour le fun. Là. Mais vous voyez que c'est pas droit droit partout. Là. Fait qu'il y a de la pratique à faire. Mais le fil blanc, on le voit moins. Vous voyez, si ça avait été noir, on le verrait vraiment beaucoup. Dernière petite affaire, si j'ai le temps. C'est mon cellulaire off le temps. Je vais aller me chercher une rallonge pour vous montrer comment mettre le fil sur la bobine du dessous. Donnez-moi deux petites rallonges. Évidemment, avec les USB, il y en aura partout. Hein? Ah, c'est ça la vie, hein? Toujours des belles choses. Bon. Salut! Excusez-moi. Je vais essayer de les recharger. Vite. Retournez votre téléphone. J'espère que vous êtes encore là. Moi, mon écran est chargé. Juste voir si j'ai encore. Si mes batteries marchent. C'est vraiment plate, ça, quand ça arrive. Une belle touffe, hein? Moi, je suis même mes cheveux de bébé, là. Tout. Ok. Donc, ça ne me marque pas que ça recharge. On va espérer qu'il recharge. Ouais. On va laisser ça comme ça. Ça se peut qu'on se perde entre temps. Fait que je vais vous montrer à faire la bobine, OK? Vite, vite. C'est la dernière étape qui est super importante. Sinon, quand même, si vous êtes débrouillard, YouTube offre des belles possibilités de vous montrer toutes ces étapes-là. Peut-être pas toutes en français, là, mais... Donc, pour le fil du dessous, c'est assez simple. Ce fil-là ne sera pas embarqué dans la machine. On va juste le tirer. On va s'en servir. Puis, il me faut une bobine vide. Les bobines vides, vous allez voir, il y a des trous. Il faut passer le fil dans le trou. Ça va être dur de vous le montrer, par exemple. Et, comme là, vous voyez, mon fil, il est tout effiloché. Donc là, je vais le couper pour que ça soit plus facile à mettre. Un petit trou, là. L'autre trou, il est pas, c'est pas un vrai. Fait que, on passe ici. Ça, c'est quand ça vous joue pas de tour. Là. J'ai de la mauvaise. Ok, il est juste passé. Okay. On le met ici. Et il faut le mettre comme ça pour que ça tienne, pour que sinon ça ne marchera pas. Sinon, c'est l'autre pied qui va bouger. Le truc, c'est de les twister et d'embarquer le fil en dessous ici. On va y aller doucement avec la pédale. Ça va tourner dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Et là, on fait juste y aller de main. Ça va trop vite, ça va retourner. Thank you.
fait ça puis qui force, ça veut dire qu'elle a terminé de rouler la bobine. Puis quand ça vend de sourd, c'est pas toujours l'idéal. Fait qu'il faut repasser, tirer, enlever le fil. Fait que mettons, je le remettrais. J'aurais un problème entre temps. Je voudrais voir si ça marche. Là, il est plein. Vous voyez, il ne veut plus avancer. Là. Ça ne sert à rien de le forcer. Vous allez briser votre moteur. Fait qu'on l'enlève, on coupe le fil, puis votre bobine est prête à être mise sur. Quand vous faites ça, faites-en plusieurs d'avance. Quand vous faites un gros projet, là, donc 4-5, pour ne pas avoir à défaire votre fil à chaque fois pour coudre. C'est étonnant. Fait que si vous en avez plusieurs de prêtes, c'est parfait. Si votre fil est noir, même affaire, le fil en haut va être noir, les bobines vont être noires, tout simplement. Fait que vous allez être capable de réparer. J'aurais pas un exemple, justement, de. Que je pourrais réparer. Un chez les bobettes, non, c'est vrai. Mettons. Je sais pas. Que je pourrais vous montrer. Exemple, ben, un chandail qui aurait décousu, vous le mettez à l'envers. Moi, je pourrais vous le montrer avec ça ici. Ben, là, je vais être en camisole, mais mettons. Ma veste, elle n'est pas brisée, là, je ne le ferai pas, mais je vais vous donner un exemple. Ma belle veste à poids, en coton, exemple, ma manche ici, niveau couture, vous voyez la couture ici, là? Ben, mettons qu'il y aurait un trou. Au lieu de le faire à la main, parce qu'à la main, ça paraît quand même pas mal quand on fait, on tourne notre chandail de l'autre côté, OK? Vous voyez ici, là, il y a déjà une bordure. Fait que vous allez le virer à l'envers. Puis, on va mettre, exemple, on peut mettre des punaises comme ça ici pour le maintenir, pour qu'il bouge. Comme ça. Non, il est blanc. Il est là. Et on va coudre ici pour refaire la couture. Puis, quand on va le retourner, le trou va être cousu. C'est sûr qu'ici, il y a une surjeteuse là, parce que c'est un tricot, là, ça. Là. C'est un jersey. Là. Moi, j'ai pas de surjeteuse, là, mais le vous pouvez faire deux coutures si vous voulez. T'sais, ça dépend. Là. Tu l'aimes bien ton chandail puis tu veux juste le réparer. C'est sûr que si tu te lances dans du jeans, des choses super épaisses, ça va être plus difficile. Ta machine pourrait lâcher, tes aiguilles pourraient péter. Les aiguilles, c'est vrai qu'il faut les changer. Là, c'est la... Les aiguilles, c'est marqué là, ce que vous avez besoin normalement quand ça vient avec la machine. Là. Sinon, il y a des formats universels. C'est marqué sur l'aiguille normalement. Et puis ici, il faut la dévisser. Il y a une façon de la mettre pour que le trou soit vers l'avant, tout simplement. Puis on la remet, on la change. Il y a d'autres aiguilles faites pour le denim, qui est le jeans. Denim. Pour le tricot. Parce que c'est pas la même façon de coudre. Ben, c'est pas la même pointe, je crois. Moi, j'en ai une universelle, là. Ici. Fait que vous voyez, ça coud du coton. Ça coud. Mais des fois, des tissus plus épais, on va prendre une aiguille qui est du denim. En tout cas, j'espère que ça va vous avoir été utile. Si jamais, ben, vous avez du temps. Ça, vous ne pouvez peut-être pas sortir bien, mais emprunter une machine à coudre à quelqu'un. Ou avec les temps qui s'en viennent, peut-être qu'on va vouloir faire des petites économies dessous. Fait que des fois, c'est pratique. Moi, tu vois, les rideaux qui sont dans les fenêtres pour les rapetisser. Fait que vous pouvez faire deux plis, deux coutures. C'est fait. La machine, ça va beaucoup plus vite qu'à la main, évidemment. Si jamais vous n'avez pas de machine à coudre, ben, vous pouvez mettre des épingles à couche en attendant, des choses comme ça. Fait que, voilà. Puis sinon, ben, vous pouvez vous amuser à faire des formes. Vous pouvez faire des toutous, exemple, comme j'ai fait. J'ai fait une forme, un cercle. Vous allez mettre de la rembourrure, vous allez finir avec une petite couture à la main. Vous allez pouvoir rajouter des choses dessus. Fait que, il y a plusieurs modèles puis de tutoriels en ligne qui pourraient peut-être vous aider. Mais pour la première étape, de juste savoir comment qu'elle fonctionne, c'est déjà bon. Puis c'est sûr que vous allez dans un modèle de machine à coudre qui est plus vieux, c'est plus difficile. Là. Même moi, j'ai de la misère un petit peu parce que le fil, au lieu de le passer puis qu'il glisse carrément dans les trous, là, il faut vraiment le passer un après l'autre dans chaque partie. Puis quand votre fil pète, la tension n'est pas bonne, mais il faut tout recommencer le processus d'enflage. Puis c'est assez laborieux. Fait que voilà! Je vais vous souhaiter une belle journée, puis bon projet. Bye!